Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'un mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour chers amis téléspectateurs et merci de nous retrouver. Nous sommes donc à lundi matin, une toute nouvelle semaine que nous espérons fabuleuse qui démarre ainsi sous les meilleurs auspices possibles comme toujours et on espère que le week-end a été bien. En tout cas, hier, la pluie nous a bénis. Voilà. Tout le monde a été béni d'une manière ou d'une autre. Les routes, même les pavés, tout a été vraiment bien béni hier. Parce que, bon, ben, comme le disent souvent les petits enfants, les tout petits bouts de choux, quand il pleut à verse, ce sont tout simplement les anges qui rient aux larmes. Voilà. Donc, c'était des bénédictions pour nous hier et pour tout ce qui était donc allumé. En tout cas, on espère que ce matin, le réveil s'est bien déroulé. Cette semaine sera encore remplie de bonnes informations, de la bonne humeur, de la joie et toujours cela sous l'égide et le jeu, quand même la complicité d'une belle famille réunie encore. Donc, bien le bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Bonjour également à la famille. Bonjour. Bonjour. Quoi, vous êtes entraîné? Ouais, carrément, j'étais le chef d'orchestre, on a passé du temps, 30 minutes à apprendre tout ça. Sais-tu que donc ce samedi, quelle ne fut donc ma joie de suivre la télévision togolaise, ah ouais, après donc le Badass Show. Quelle fut ma joie de t'apercevoir, tout calme, droit comme un piquet. Comme toujours. Comme toujours. Bonjour. Alors Sandy, tu nous as manqué 3 jours, tu es parti faire tes affaires, on est béni de te voir ce matin. Merci, sinon ça va, j'étais juste en petite retraite pour pouvoir mieux organiser la rentrée tout simplement, sinon ça va très bien. Oui, c'est la rentrée le mercredi à la référence, donc je me suis retirée un peu pour mieux m'organiser par rapport aux devoirs, aux travaux pratiques, ainsi de suite. Sinon, ça va. J'espère que vous allez bien chez vous. Ici, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, j'ai passé un très bon week-end. J'ai passé du temps avec mes enfants, surtout. Ça s'est bien passé. Non, je ne vous ai pas oublié, mais vous étiez invité. Mais bon, comme chacun a préféré rester chez lui, on en parlera. Sinon, chez vous, j'espère que ça va bien. Nous débutons encore la toute nouvelle semaine. Soyez rassurés, nous avons toujours de très belles informations, de la bonne humeur et de très bonnes choses pour vous. Mais pour vous ce matin, commencez par à penser, à faire du bien, à dire du bien quand on est vivant. N'attendez pas juste après pour faire des hommages. C'est un truc qui me choque et qui m'énerve. Merci. C'est-à-dire que tant que la personne est vivante, dites-lui toutes les meilleures choses possibles. N'attendons pas que les gens meurent. En fait, c'est difficile de parler mal de mort. Parce que souvent, c'est quand la personne meurt qu'on fait des... Non, moi, je voulais parler du contraire, au fait. C'est quand la personne meurt qu'on prend du temps
pour dire oh et non avec Bévaïa et Waleke, Waleke. Mais quand on est vivant, c'est ça on dit. Oui, mais on a peur de parler mal de mort. Oui, mais bon, le mieux c'est de quand on est vivant, disons-nous du bien des autres quoi. Nous j'avais qu'à fois m'aider à qu'à fois mais annuler. Nous j'agronnais. Si c'est des reproches, fais-le, mais n'attends pas après que la personne disparaisse pour commencer pas à faire des commentaires. Non, c'est pas la peine. Très important, ouais. C'est vrai. Mister Félix, j'ai décidé de t'appeler comme ça désormais. Mister Félix. Il a grandi dans la tête de maman. Non, il n'a pas grandi. Il reste demain mon bébé à moi. Tu es vaincu. Mais seulement, je voudrais quand même qu'on réalise que mon fils est rempli de plein de bonnes choses. Il ne restera pas bébé à vie et il évoluera, il grandira encore mais mieux. Il a grandi, maman. Ouais. Coucou Félix. Bonjour maman. Ça va? Ça va très bien. D'accord, génial. J'espère que tu vas bien aussi. Elle va bien. Ouais, elle va super bien. Et que vous allez bien également. Forme olympique. Voilà. En tout cas, je vais bien aussi. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle semaine qui commence. Et il y a un mot qui me vient en tête aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous pour que vous nous dites ce que ça vous dit. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'humanité? Quand on dit qu'il faut avoir de l'humanité ou une personne a de l'humanité, qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, mais j'aimerais aussi savoir ce que ça veut dire pour vous. Parce que je voudrais vous inviter à avoir de l'humanité autour de vous durant toute cette semaine et puis pour le restant de votre vie. Donc, on va partager de l'humanité sur Nectar cette semaine. Restez avec nous. Super, on va partager de l'humanité. En tout cas, parlons d'avoir de l'humanité. C'est grâce à l'humanité que j'ai ce genre de fils. Bonjour. Bonjour maman, plaisir d'être là encore une fois cette semaine pour vous faire plaisir et vous servir ce que vous savez, chers amis. Alors le message c'est de faire du bien. Ça, je vais peut-être essayer de copier un tout petit peu ce que Sandra a dit, mais dire de très bonnes choses, merci ou quoi. Sur son pays aussi, c'est très important, parce que c'est vrai, on voudrait tous que les éperviers gagnent. Il n'y a pas eu une victoire, d'accord. Mais soyons toujours très, très soudés derrière eux, puisqu'ils en ont besoin. Demain, on a encore match, les gars. Donc, on continue de prier, on continue de croiser les bras pour que ça puisse marcher. Et forcément, ça va marcher. Mais quand on se met à insulter, à vilipender, à dire n'importe quoi, c'est pas trop bien. Donc, je nous exhorte tous à continuer toujours à soutenir. Le Togo passe avant tout. C'est ça le plus important. C'est moi, bonjour. T'as oublié les gens de C'est vrai que franchement, c'est vrai qu'il y a des amis de Niamtougou. Les amis de Niamtougou qui me font vraiment du bien, de très belles choses ces derniers temps. Salut Niamtougou. J'espère que vous faites la très très grande forme de l'autre côté. Et si vous êtes là, vous me suivez, un petit message est très important. Et voilà, continuez toujours pas à être ce que vous êtes. Cette population magnifique, courageuse, travailleuse. Ah là là, Niamtougou, bonjour. Tu manques de mots. Voilà. Niamtougou, je t'aime. Ça, il y a une jeune femme de Niamtougou qui est en train de faire tiki-tiki dans le cœur de Elias. Je suis sûre, c'est pourquoi il a pensé à Niamtougou. Et j'ai bien aimé, hein, tu as dit de faire du bien alors que ton cadre, justement, c'est du bien. Donc, il t'a totalement influencé. Ah oui, hein, du bien a fait du bien à Elias. Et Elias, donc, vous demande à vous, chers amis, de pouvoir faire du bien également. Hi, Miss Danseuse, qui a pensé beaucoup aux hommes et les a valorisés ce week-end. Ouais. Ah oui, ça nous a fait du bien. Ouais, c'est très important parce que je crois que les hommes font partie intégrante aussi de nos vies. Ils sont quelque part comme une couverture. Quand tu en as, c'est une force aussi derrière toi. Que ce soit ton fils, que ce soit ton père, que ce soit ton mari, ton boss au bureau. Quand il y a le respect qui est, tu as toujours une couverture qui est là. Donc, chers hommes, je viens encore à vous ce matin. Vous êtes très courageux avec tout ce que vous faites tous les jours. On ne sait pas par quoi vous passez, mais gardez toujours la foi. Et surtout, il y a un truc dont je voudrais parler, c'est de dissocier l'humour au travail de la maison. Quand vous êtes énervé au travail, essayez au fait de ne pas le ramener à la maison. Ça peut causer autre chose à la maison, parce qu'à la maison, on est là pour vous consoler. Soit vos enfants, soit vos femmes, soit vos sœurs. Bon, tout ce qui est personne qui peut vous consoler, c'est à la maison.
soyez dissociés, quoi. Ça veut dire, il faut savoir dissocier. C'est très, très vrai. Et ça, c'est un conseil pour tous, hein, pas juste pour les hommes. Hein. Il ne faut pas ramener les soucis du travail à la maison, tout comme il ne faut pas ramener les soucis de la maison au travail également. C'est pourquoi aujourd'hui, salutations à toute la belle équipe qui chaperonne donc la famille. On a du bien. On a mon bébé Abraham. Puis nous avons le père chevelu. Mon père! Le père devenu chevelu d'Elias. On s'est convenu de pousser les cheveux. Pour toi, on ne voit pas trop quand même. Hein. Alors, en tout cas, pour ce matin, nous allons y aller en mode un peu dans le genre d'Elias avec Millie Parker qui vous offre le temps d'essayer. C'est le clip du jour et c'est parti. Le rap c'est éphémère, donc demain qu'est-ce que tu feras? Seras-tu toujours la ghetto gangsta? Auras-tu une vie commune? Seras-tu sage comme ta grande sœur? Tu sais bien que le rap ça ne paye pas. Musicienne à 45 ans, non ça ne se peut pas. J'avais peur, très peur que ma mère ne s'oppose. Donc je compte rapper avant ma ménopause. Je suis juste une fille qui rêve de grandeur. Première adepte du rap, donc des mots j'en ai dans le cœur. J'attends beaucoup du rap, j'espère que c'est réciproque. Je suis tellement bien élevée que je dis merci qu'on les fait qu'ils se foquent. Je veux qu'on écoute mes mots avant qu'on applaudisse. Je veux pas que regarde la meuf, non, je veux en fait qu'on mate l'audible. Je veux qu'on sache aussi que le rap va payer, qui t'en vient à rien. Donc s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Je m'exerce avec les mots. Dans le rap, je suis bien. Rassurer mes parents, mes parents qui craignent rien. Le rap n'est pas catalogué, you vois. J'ai toujours eu les mots, toujours eu les mots, moi. Laissez-moi le temps d'essayer. Pose aussi ton thème, Millie.
la jeune togolaise très belle, Milly Parker, en tout cas, qui nous a offert et nous a tous offert quand même ce très beau son. Et le titre est Le Temps d'essayer. Et du coup, c'est un peu la vie de 75% des artistes, hein, des artistes et des footballeurs. Mais on dirait beaucoup plus de nos jours les artistes encore, parce que nous nous sommes rendus tous compte, en tout cas, que quand tu es bien dirigé au niveau du football, ben, tous les parents, ils poussent désormais leurs garçons et même leurs filles. Ce n'est plus comme avant. Par contre, le rap ou même la musique, quand tu je disais la fois dernière, tu sais, tu prends ton argent, tu vas payer, on t'appelle, c'est le censeur de l'école, vous êtes convoqué, madame, vous arrivez, on dit votre enfant, ben, on ne le voit pas. Tu fais tes enquêtes et tu vois que l'enfant, en fait, il s'en va retrouver des amis quelque part pour s'entraîner. Et quand tu dis, maman, non, moi, je veux être une rappeuse, écoute, l'école ne fait pas pour moi. Ah bon, c'est quoi, moi, je veux rapper, quoi. La gifle de ça, merci beaucoup. Non, nous sommes peace and love. Pas la gifle, mais en tout cas, il y a plusieurs autres. Là, il y a pisse. Le regard, même. Alors justement, c'est sûr que c'est... Non, mais c'est difficile pour les parents. Ouais. Il faut comprendre aussi. Parce que nous tous, on a des rêves. On a des rêves qui sont inassouvis et on veut voir nos enfants réussir ces rêves-là. Ou on a d'autres rêves, tout simplement. On veut des juristes, on veut des experts comptables, on veut de futurs présidents. Mmh. On veut. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai un rappeur dans ma famille. C'est plus difficile à accepter finalement, moi, tu sais. Jusqu'à présent, en fait, je n'ai pas encore accepté. Ah, voilà. C'est ça le problème. Alors, rapidement, est-ce que quand même vous vous êtes retrouvés, je sais que Semifa va nous donner un petit témoignage, vous vous êtes retrouvés dans ça. Et vous également, chers amis téléspectateurs, avant que je ne commence pas à lire vos messages, est-ce que vous êtes retrouvés quand même dans ce genre de situation, surtout dans l'adolescence, où vous alliez dans une voie totalement contraire à ce que les parents voulaient? Est-ce que ça a été un peu comme dans le clip avec Milly, les parents qui discutent, ou alors on t'enferme, on te refuse d'aller faire ce que tu aimes? Qui s'est retrouvé dans ça? Ce n'est pas. Moi. Sandra, non? Moi, oui. Toi, oui? Moi, je suis étonnée. Oui, parce que après on parle de musique et de football, mais il y a aussi tous les métiers qui ne sont pas très formels, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des métiers de bureau. Mmh. Moi, c'est pas... du jour au lendemain que les parents acceptaient que je travaille dans la mode, quoi. Il faut dire aussi que j'avais un parcours pour devenir soit ingénieur, quoi. Mmh. J'étais dans un cursus ingénieur, donc quitter l'ingénierie pour la mode, c'était... Ah, ça c'est clair. C'était un choc pour les parents. Mon cœur bat encore jusqu'à présent. C'était un choc pour les parents. Ça a pris quoi, 2 ans, 3 ans avant que finalement je me décide à embrasser la mode. Mais c'était pas un conflit, c'était plus des discussions sur discussions. Mmh. On repart, continue encore une année pour voir des trucs comme ça jusqu'à ce que finalement on me laisse. Je ne crois pas qu'on m'a laissé, mais j'ai forcé un peu et puis après on m'a dit ok, vas-y. D'accord. Sandy, non, toi, non. Non, moi, je n'ai pas connu ça. C'est vrai que j'avais de cette petite folie où j'avais envie de faire plein de trucs, comme j'étais déjà là à faire plusieurs choses à la fois. Mais c'était par rapport à... Je ne vais pas le dire. Non, le dis pas. Parce que là où ça va, là, ne le dis pas. Non, je voulais faire du mannequinat, hôtesse de l'air et tout, mais le grand frère s'est opposé carrément, quoi. Carrément. Et il a tué le rêve en moi. Et puis, bon. Mais en tout cas, je suis toujours heureuse de ce que je fais parce que j'aime bien ce que je fais. Je le fais bien. Ça va, quoi. Mm-hmm. Maintenant, allons vers les enfants les plus corsés. Ben bon, moi dans mon, j'ai toujours évité cette discussion là avec les parents où tu vas vous asseoir, tu dis choisis la musique et tout, ou choisis le football. Bon, j'ai toujours évité cette discussion parce que je connais un peu le point de vue. On te voulait avocat, on te voulait. Voilà, on disait que tu petit avocat ou tout, mais. Ah, tu dis tu fais du rap ou tu fais de la musique ou tu fais quoi, je sais pas, ça rime pas avec eux, donc c'est compliqué. Du coup, cette discussion, moi, je la fais toujours. Mm-hmm. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils te voient, ils te voient faire ils te voient sortir des choses, et des fois, ils disent, ouais, c'est bien, mais on sent toujours qu'il y a quelque chose derrière. Une réticence, hein. Il faut devenir avocat. Il n'est jamais trop tard, je vais tout faire pour qu'ils le deviennent. Voilà, après ce que j'ai vu samedi, là, tu vas le devenir. C'est mieux pas? Ouais, on va dire que c'était pas aussi facile que ça. Parce que non seulement ça y a l'honneur des parents qui est en jeu. Donc c'est ce qu'ils voient.
Ils voient leur honneur, ils voient leur degré en fait, aux yeux de tous ceux qui les entourent. Je vais même dire que j'ai été un peu dans ce conflit-là. C'était un long conflit quand même depuis le lycée. Donc, c'est fait que dans l'organisation pour le moment des choses au lycée, je devais faire un petit contrat avec la directrice pour que le père ne sache pas que j'étais en train de toujours organiser les semaines culturelles pour les étudiants parce que c'était une passion. Et côté danse, ça aussi j'ai commencé depuis, mais ça, quand j'ai commencé par accentuer ça en donnant des cours à l'extérieur, on va dire que c'était avec une certaine force. À un niveau donné, j'ai dû en fait, prendre du recul de tout le monde pour pouvoir me sentir bien dans ce que je faisais. Alors, quand j'étais rentrée, en même temps, c'était des discussions sur discussions, sur table en fait. C'est toi qui es au milieu, c'est toi le sujet de la journée. Donc, bon, parler de ça. Et on te dit d'arrêter, on te demande si tu peux arrêter, tu dis non. Carrément. Donc tu veux dire que, parce qu'il faut, il faut le dire pour toutes les personnes qui te suivent sur ta page, on sait que depuis quand tu étais en Chine, c'est ce que tu faisais, tu donnais vraiment les cours de danse, mais à vraiment de masse. Et même là, les parents, ils ne savaient pas. Au départ, ils ne savaient pas, mais à la suite, je leur ai dit ça. Parce que j'avais commencé à ne plus vouloir de l'argent. Donc, ils me demandaient en fait comment est-ce que tu faisais pour subvenir à tes propres avec tout ça. Et je dis bon, c'est ce que je fais. Je fais ça et puis je donne des cours dans des écoles aussi et tout. Donc, c'était un peu une expérience. En fait, au fur et à mesure, ils ont vu que peut-être ça peut aider. Ça aidait d'une partie, mais en faire un métier, non. C'était ça, en fait, de. La griffe au fait qui était entre nous, en faire de ça un métier, non. Pourtant que je faisais des études en business, journaliste, donc c'était un peu ça. Eh ben voilà, en tout cas, moi la seule fois, j'ai toujours été une enfant très sage, je pense, la seule fois, et je te frappe, la seule fois c'est que, j'ai pas grandi ici, donc dans le pays où j'ai grandi. Par contre, on faisait défiler les élèves un peu comme au 13 janvier. Et donc au Gabon là-bas, au lycée, vous défilez selon, vous pouvez faire les majorettes et tout ça. Et moi, on m'a convaincu, les camarades m'ont convaincu d'entrer donc dans le club de karaté. Et on s'entraînait et tout ça, j'y ai pris tellement plaisir et on faisait la chorégraphie sur comment on allait marcher pour défiler. Et tout. Et là, à force de m'entraîner, ça m'est resté la démarche, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Je montais les escaliers, mon père m'appelait, je montais les escaliers, j'arrivais et puis mon père venait comme ça, il m'a vu, il n'a rien dit, on a fini de parler, puis il a dit, toi là, oublie, c'est fini, tu ne fais plus affaire de karaté. J'ai pas écouté, puis après je suis allée, puis comme dans l'amusement, un jour on m'a fait un bon kata qui a failli me coûter la vie et j'ai compris que le karaté, moi, c'est mieux dans la bouche. En même temps, tu peux nous offrir la démarche karaté. La démarche là, tu veux ça? Non, ça va. Je préfère te faire la démonstration de ceux dont je me souviens. Alors, on a bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Super, bien. J'ai répondu bien de choses à l'animatrice, merci beaucoup et surtout Elias, mon beau gars. Bonne émission à vous et que le Seigneur vous protège tous. Un message signé par Mathieu Fally Béné depuis. Alors salut à vous tous. Vous démarrez très fort cette semaine. Félicitations à Elias qui a fait un superbe slam avec le poème que j'ai écrit pour Nectar. C'est un excellent musicien. Recevez mes giga bisous sucrés et parfumés. Merci, Monsieur Mola. Mola. Merci. Bonjour tonton Nectar. Bonjour. C'est Olivier de Zosimé. Bonjour. Moi, aujourd'hui, je suis styliste. Or, mon papa a voulu que je devienne agronome comme lui. Mais ma passion, c'est en électronique. Comme on ne se comprenait pas, j'ai décidé de faire le stylisme. Ah, ok. Là, par contre, c'est compliqué. Alors, shalom la famille Nectar. Shalom. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Une nouvelle semaine, une nouvelle bénédiction, une nouvelle santé à vous tous sur le plateau. Amen. Bisous à vous tous. Salut à la ravissante Séméfa. Vivement. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir l'homme digne de votre vie. C'est Edem depuis Bekpota. Amen. Amen.
Bonjour la famille Nectar. Bonjour. C'est un très grand plaisir de vous revoir ce matin en pleine forme. Ça se voit que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. Plaisir, je sais que j'ai raté beaucoup de choses durant les émissions précédentes. Vaut mieux tard que jamais. Je suis déjà scotchée pour 2 heures de pure ambiance de joie, de conseils édifiants. Merci les Nectariens pour la bonne humeur que vous nous apportez chaque jour. Bon début de semaine à vous. Marie-Louise depuis Douala au Cameroun. Merci Marie-Louise. Bienvenue. Bonjour Elias, bonjour Sandy, bonjour Semifa Light. Bonjour. Et bonjour, bonjour aux jeunes stylistes rhétoriqueurs dont l'intelligence, tout ça là pour toi tout seul mon cher. Ma folie, folie. I am shocked. Alors dont l'intelligence, je finis pas y arriver hein, tellement dont l'intelligence dépasse son âme. Et dont j'ignore le nom, il s'appelle Félix. Ouh là là là. Le studio de Nectar, ah oui, hein. Excellente journée à vous tous. Eric depuis Atakpamé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Eric. Bonjour le plateau, comment vous allez? Vous êtes mignons. Je salue les amis qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire les cadreurs. C'est vrai, c'est enfin, c'est pas le cadreur, il y a trois cadreurs. Ah ouais. Celui qui prend Félix s'appelle Dubien. Chamier, ouais Chamier. Ouais Chamier. Ouais Chamier. Et Aignon, c'est ça? Aignon, voilà. Il s'appelle Dubien. Et celui qui est en face de moi, c'est mon cœur, mon bébé à moi. Il est tout beau, il s'appelle Abraham. Et celui qui est de l'autre côté, ben, c'est le père chevelu d'Elias. Ah oui. Il s'appelle Papa Claude, voilà. Et n'appelez pas, je vous en prie, nous ne pourrons pas décrocher de toute façon. Donc je crois qu'on est ensemble depuis un bon moment, on se comprend aussi. Hein. Bonjour à vous tous, vous êtes tous mignons. Vous êtes très belle émission et agréable semaine à nous tous sous le regard du Seigneur. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. J'espère bien, comment allez-vous? J'espère bien que tout le monde a le sourire aux lèvres. Votre salon est très confortable. Mais je me demande si l'on veut avoir accès à ce salon chez soi, comment faut-il procéder? Merci pour votre sourire, monsieur Bill de Thévier. On va en discuter en off, ne vous en faites pas. Hi. Hello. My greetings to you all over there. I'm Tobolis watching you 5 to 5 from Accra. Have a blessed day. Kiss. Ulrich Edem. Thank you, Ulrich. Voilà. Bonjour. Moi, quand j'étais enfant, ma mère a voulu que je sois médecin, mais j'étais passionnée du football. Mais aujourd'hui, je suis staffeur de profession et ça marche. Il est en train de guérir les... C'est toujours de la médecine. Bonjour, s'il te plaît, je te kiffe trop, Elias, avec la collaboration que tu as faite avec Centrinos et je veux être ton premier fan. Mais c'est pas, c'est ton qui a mis, mais c'est Yvette, hein. En fait, c'est Yves et être, you know, être. Bonjour, vous êtes tous mignons. Ce matin, Elias, j'ai aimé ton freestyle avec Centrinos le samedi. J'ai vraiment aimé. Tu es un génie. Courage à toi. Bon début de semaine. Félix, depuis Adamavor. Merci, Félix. Salut à vous tous. Elias, tu es trop beau encore ce matin. Samedi avec Centrinos, c'était vraiment bien. Bonjour. Je ne savais pas que mon grand frère était rappeur. Sinon, je l'ai suivi samedi soir à la télévision. Non, c'est génial. Il rappe très bien. Je l'encourage. Merci. Bonjour. C'est Monsieur Torfik depuis Porto Novo. Que je salue également. Vous êtes plein à envoyer des messages ce matin, en tout cas. Hein. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Gélia, c'est un extraterrestre. Il est vraiment bourré de talent. Tu as de la chance de l'avoir, maman Aïcha. Il rappe bien, mais il rappe comme moi, en fait. Je ne suis pas de la Terre. Hein. Je suis extraterrestre. Ah ça, quand tu fais ça, c'est clair que tu es extra. Extra. Et nous avons bonjour à vous tous. Bonjour. Félicitations, j'aime trop votre émission, j'aime vous voir, vous êtes toujours pimpant et plein de joie de vivre. J'aime le principe de votre nouveau décor qui est tout beau avec des fleurs et des gaz écologiques. Par contre, Elias, tu es devenu mon idole. Pardon, faut bien faire choix d'idole là. Non, attends, parce que là, franchement, on va attaquer la personne de tout est calé parce qu'il dit tu es devenu mon idole. Avant, c'était Centrinos et maintenant, c'est toi. Du coup, là, tu as détrôné. Assibalo, je suis pas. C'est le talent qui a fait. Voilà. Talent, comme ça là. Bon, ben voilà, merci pour tous les messages. Il y en a beaucoup. Bonjour. Bonjour. Mon papa veut que je sois médecin. J'ai 17 ans. Je passe le bac cette année, au lycée français.
Mais après avoir vu Elias, ma passion du rap. Ah, ça, Elias, tu as donné le mauvais exemple. Ma passion du rap. Pardon, il faut continuer. Il faut continuer les En même temps, c'est une bonne passion. C'est une bonne passion, mais excusez-moi, souvent on se dit que ceux qui font la musique et autres, ce sont des idées très. Je suis désolée. Elias, si on vous donne son background, il aime bien faire des pitreries, mais franchement, il a un lourd background, quoi. Voilà, donc il sous-coule. Donc attention, c'est bon d'aller aussi à l'école parce que des fois, ça peut ne pas marcher. On l'a vu avec Jefferson. Ouais. Il faut avoir toujours un second plan, un plan B. C'est important. Voilà. Elias, j'aurais aimé que tu apprennes à jouer la guitare. Il joue de la guitare. Vous n'avez pas suivi donc l'émission du vendredi. Bonjour, c'est Simon le pétrolier. Spécial bonjour à la tata. Elle s'appelle Semifa. Merci. Bonjour, à cause d'Elias, j'ai compris qu'il y a du talent au Togo. Vraiment, Elias, mon frère, courage à toi, tu y es grand. Et surtout, n'abandonne pas, ne lâche pas, tu vas percer. Amen. Elias, dites-nous bonjour au moins, parce que là, moi-même, je suis jalouse de ne lire que des messages d'Elias ce matin, franchement. Eh bien, une chose est sûre. Tu n'as pas applaudi. Humblement. Je rigole. Humblement. Non, il est timide. Quand ça commence à pleuvoir comme ça, les compliments, là, après, il ne sait plus comment se comporter. Donc, Non, mais là, je suis là, posé. Tu veux que je continue? Non, tu veux pas dire. Alors, en tout cas, une chose est sûre, vous le savez, nous sommes lundi matin, nous a beaucoup manqué aussi aujourd'hui. Par la grâce, elle est là. Et avec elle, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose dont souffrent de plus en plus des jeunes femmes. Avant, on se disait il faut un certain âge, mais de plus en plus de jeunes femmes en souffrent. Il s'agit bien sûr du docteur Pamela Alavod en ex-santé pour parler de la ménopause. Ce matin, docteur Pamela Alavod, I'm astonished, you know, you are so beautiful, like every day. As usual, like every day, you know. But today is something particular. Maybe it's God's grace. Non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Ah, ok. Il y a quoi de particulier? Non, en fait, c'est parce que tu nous as manqué. Beaucoup donc manqué. Aujourd'hui, là, quand on te voit comme ça, on rattrape toutes les manquances. C'est trop gentil. Merci, vous m'avez aussi beaucoup manqué. Les téléspectateurs aussi qui m'ont écrit, eux aussi m'ont beaucoup manqué. Ça fait plaisir en tout cas de revenir. Les contraintes professionnelles obligent parfois, voilà, mais en tout cas, on y travaille. Et aussi longtemps que Dieu nous donnera la grâce d'être là, on sera là. Ça fait plaisir. Aussi longtemps que nous te manquerons, tu seras là. Oui, je serai là. Exactement. Alors, je te laisse dire bonjour aux téléspectateurs et je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la ménopause. Effectivement. Alors, bonjour chers téléspectateurs, chers amoureux et amoureuses de l'émission Nectar. C'est toujours un plaisir. Hein. Excusez-moi quand je commence toujours mes phrases avec c'est toujours un plaisir, mais je ne sais pas comment ou bien je ne connais pas d'autres mots qui peuvent exprimer mon ressenti quand je suis sur ce plateau en particulier pour parler de santé, pour vous informer, pour vous donner en tout cas toutes les bonnes informations qu'il faut pour que votre vie soit aussi délicieuse qu'un nectar. Donc souffrez que j'utilise toujours les mêmes mots à chaque fois que je viens sur le plateau. En fait, tu fais qu'exprimer ton cœur. Hein, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, la ménopause, lorsque tu nous as partagé le thème, j'essaie de faire quelques petites recherches et je me suis rendu compte que des femmes jeunes aujourd'hui peuvent souffrir de cela. Oui. Moi, ça m'a totalement interpellée. Parce qu'on parle de ménopause rapidement pour les jeunes femmes, en général, on se dit... Oh, c'est encore loin là, où est le problème? Alors qu'en fait, non. Oui, effectivement, aujourd'hui en fait, notre environnement, notre régime alimentaire, des facteurs comme la pollution et tout ça, ça modifie
le fonctionnement des choses. Mmh. Et donc ça agit sur les diverses phases par lesquelles notre corps passe. Mmh. Et ce sont ces choses-là qui peuvent expliquer aujourd'hui la ménopause précoce. Vraiment. Parce que, par exemple, quand on prend l'espérance de vie, avant l'espérance de vie, elle était au-delà de 70 ans. Aujourd'hui, quand vous mourrez à 70 ans, c'est qu'on aura, on aura dit que vous avez vécu sur la Terre. Mmh. Alors que ce n'était pas le cas il y a des années précédentes. Pourquoi ? Parce que vraiment beaucoup de choses ont changé. En voulant améliorer son quotidien tous les jours aussi, il y a aussi un prix à payer. Donc, vraiment, c'est beaucoup de facteurs. Avant, la pathologie cancéreuse, c'était pas qu'elle n'était, elle n'était pas là, mais elle n'était pas connue. Aujourd'hui, on assiste à vraiment l'émergence de beaucoup de maladies, beaucoup de cancers. Tout ça, c'est lié au changement qu'il y a eu à l'industrialisation de la vie, au régime alimentaire, à la pollution de l'environnement, à ces choses anodines, mais contre lesquelles on arrive, on ne peut pas lutter malheureusement forcément, mais qui agissent quand même sur notre organisme. D'accord. Voilà. Alors déjà, on va revenir un peu à la jeunesse. Voilà. La ménopause, qu'est-ce que nous entendons par là? Voilà, donc la ménopause, c'est cette période de la vie de la femme où on assiste à une absence ou bien à un arrêt de l'ovulation. Et donc, quand on parle d'arrêt de l'ovulation, on va donc parler d'arrêt du cycle menstruel. C'est une femme qui ne passe plus de règles. En tout cas, c'est la période de la vie de la femme où il n'y a plus de menstruation qui vient. Et il faut savoir que dans la jeunesse, en tout cas pour toutes les femmes, on passe par beaucoup d'étapes dans la vie. La petite enfance, après il y a la puberté, après il y a les phases où on tombe enceinte, qui sont aussi d'autres phases carrément, puis après cela finit par la ménopause. Alors pourquoi la ménopause? La ménopause parce que Dieu, en créant la femme, lui a donné un certain stock d'ovules. On n'a pas tous le même stock d'ovules. Donc, on a un certain stock de l'ordre des millions, je ne vais pas donner de chiffres exacts, mais de l'ordre des millions au début, qui progressivement, sous certains facteurs, certains s'éliminent, d'autres restent, certains ne sont pas bons. Donc, il va rester maintenant près d'une, en moyenne, une centaine, pas une centaine, mais près de 500 ovules comme ça. Et maintenant, parmi ces ovules aussi, il va y avoir un phénomène de sélection. Et donc, à la puberté, lorsque le corps de la femme va être préparé pour pouvoir donner naissance à un bébé, eh bien, ces ovules vont passer. Donc, quand l'ovule vient se nicher et tout, et qu'il n'y a pas fécondation, l'organisme, voilà, se entre dans un phénomène d'élimination de cette petite niche qui s'est constituée pour accueillir l'enfant. Et c'est ça qui va être les menstruations. Donc, l'épuisement du stock normal d'ovules va conduire à cette phase-là qu'on va appeler la ménopause. Voilà, va conduire à cette phase qu'on va appeler tout simplement la ménopause. Et quels sont les signes? Bon, je vais te dévancer. Quels sont les signes de la ménopause? Eh bien, en tout cas, il y a un signe pour toutes les tatas âgées qu'on connaît, qui ont entre 45 et 55 ans, parce que avant, l'âge moyen de la ménopause, c'était 50 ans, mais avec tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, on voit des femmes même être ménopausées à 40 ans. Mmh. Et avant 40 ans, là, c'est en ce moment aujourd'hui qu'on parle, on parle de ménopause précoce. Donc, qu'est-ce qui peut, comment se manifeste la ménopause? Aujourd'hui, la ménopause se manifeste généralement par un signe qu'on connaît tous, c'est les bouffées de chaleur. C'est une dame que vous voyez pendant la journée, ou bien même sous la clim transpirée, elle vous dit constamment qu'elle a chaud. Elle a chaud au niveau du tronc, au niveau du cou, parfois au visage, parce que ce sont les zones de prédilection des bouffées de chaleur. C'est les bouffées de chaleur. Et ces bouffées de chaleur s'expliquent par la baisse justement des hormones. Parce qu'avant la ménopause, notre corps a besoin de certaines hormones, ou bien certaines hormones sont sécrétées pour nous permettre d'accueillir l'enfant. Donc, comme il n'y a plus de cycle menstruel, c'est qu'il y a ces hormones-là qui chutent. Et ces hormones aussi agissent dans la régulation de, je vais dire en griffe, du climat du corps.
Donc, cette chute brutale d'hormones, eh bien, va entraîner ce qu'on va appeler les bouffées de chaleur. Et souvent, c'est très gênant, souvent, c'est très désagréable pour les femmes. Des astuces pour les mamans qui nous suivent, c'est que... pour lutter contre ça, il faut, en plus d'avoir un bon régime de vie, éviter le stress. Parce que quand ça vous arrive et que vous énervez plus, eh bien, les phénomènes qui sont responsables de ces bouffées de chaleur augmentent. Et donc, ça va vous déranger. Évitez de manger tout ce qui est épicé, par exemple, épicé. Parce que manger beaucoup d'épices aussi favorise la survenue des bouffées de chaleur. Il faut régulièrement se doucher. En tout cas, quand vous êtes à la maison, privilégiez des douches régulières au moins 4 fois par jour pour rafraîchir votre corps. Elias. Alors Elias, on ne parle pas encore de l'andropause, hein, on parle de la ménopause. Donc ne te sens pas concerné totalement. Ok, oui, je comprends. D'accord. À l'andropause. Voilà. donc il faut aussi prendre des douches régulières pour se rafraîchir. Et bon, aussi travailler son mental. Parce que quoi qu'on veuille ou pas, c'est une période obligatoire par laquelle toutes les femmes vont passer. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut apprendre à accepter l'étape dans laquelle on est. Voilà. Il y a certaines personnes qui se détestent en fonction des étapes. Ils sont grincheux et tout, mais non. C'est désagréable, mais il faut apprendre quand même à accepter toutes les saisons par lesquelles Dieu nous fait traverser, quoi. Et aller de l'avant. Donc, les bouffées de chaleur, en plus des bouffées de chaleur, il va y avoir au niveau de la sexualité, des troubles de la sexualité, une baisse de la lubrification, par exemple. Une baisse de la lubrification parce que, comme je l'ai dit, la ménopause est hormonodépendante, donc la baisse des hormones va entraîner une baisse de la lubrification. C'est pourquoi souvent, la sexualité ne s'arrête pas, en tout cas, à un certain âge. La sexualité continue jusqu'à ce qu'on soit rappelé à Dieu. Donc, si vous êtes une personne âgée, vous avez le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie qui, maintenant, va être réadaptée. Et on recommande souvent aux femmes âgées de pouvoir utiliser des lubrifiants. Les lubrifiants, ça aide beaucoup à corriger, corriger ces troubles de la lubrification ou les sécheresses vaginales. Il ne sert à rien d'introduire autre chose, des lubrifiants. Bon, en griffe, des personnes utilisent du beurre de karité comme lubrifiant ou de la vaseline. Bon, je me dis, est-ce que par rapport au pH vaginal, moi c'est mon inquiétude, je ne suis pas contre, hein, mais par rapport au pH vaginal, par rapport aux questions d'hygiène, est-ce que c'est sain? Bon, peut-être après l'avoir utilisé, il faut penser à se rincer les parties intimes plus tard avec de l'eau simple, pas de savon ni rien d'autre, avec de l'eau simple pour éviter que ça traîne là-bas. Parce que c'est quand même de l'huile, hein, c'est quand même une substance huileuse, du gras. Et donc, bon, généralement, la plupart des lubrifiants sont constitués de gélatine et d'eau. Ça, on sait que ça se dégrade. Puis après, l'acte sexuel, avec ou sans préservatif, les sécrétions tombent. Mais quand il y a du gras, bon, moi, je pense qu'après, ça peut être aussi désagréable et ça peut perturber un peu la flore vaginale. Donc, il faut penser à faire une toilette. Si vous êtes des utilisateurs de beurre de karité ou de vaseline, ça te rappelle quelque chose? Parce qu'il paraît que les mecs utilisent ça pour faire autre chose. Il y en a qui utilisent l'azimie. Oui. C'est une question. Oui. Les symptômes que vous venez d'énumérer, oui, c'est des symptômes du début de la ménopause ou ça dure toute la ménopause? Non, ça dure toute la ménopause. Mmh. Ça dure tout jusqu'à la fin de la vie. C'est jusqu'à la fin de la vie. C'est jusqu'à la fin de la vie. Et ça, c'est les deux symptômes les plus fréquents. Après, en fonction de chaque femme, il y aura une baisse de l'immunité qui va se traduire au niveau de l'appareil génital féminin par des infections urinaires répétées, des vaginites, tout ça à cause du défaut de lubrification qui va fragiliser en quelque sorte l'appareil génital féminin. Alors, la ménopause, oui, c'est l'arrêt
L'arrêt des monstrues. Oui, hein. C'est l'arrêt des monstrues. Et c'est après l'arrêt des monstrues, en fait, que commence le phénomène des bouffées de chaleur. Ça peut commencer avant. Parce qu'avant la ménopause, il y a une phase qui est la phase préménopausique. Donc, au cours de cette phase, la femme va constater que son cycle menstruel n'est plus le même. Si vous avez un cycle régulier, vous allez constater des irrégularités. Vous allez constater aussi des irrégularités dans la quantité de sang qui sort et sur le nombre de jours. Peut-être que vous avez souvent l'habitude de saigner pendant 5 jours. Vous allez voir que ce mois, vous allez saigner peut-être 2 jours ou 1 jour. Le mois prochain, vous allez saigner les 5 jours. Peut-être que ça vient régulièrement. Vous avez un cycle de 28 jours, mais vous allez voir peut-être que votre cycle varie. Tantôt, ça fait 28, ça fait 30, ça fait 25. Donc, c'est ces petites choses-là, à partir d'un certain âge, à partir de la quarantaine, qui doivent nous faire vraiment préparer psychologiquement à rentrer dans la ménopause. Mmh. Aujourd'hui, il y a des méthodes que les femmes utilisent pour retarder la ménopause, c'est de mettre les ovaires au repos. Surtout chez les filles qui font souvent les règles douloureuses, vraiment très très douloureuses, on met les ovaires au repos en prenant un traitement hormonal contraceptif. Là, il n'y a pas ovulation. Et quand il n'y a pas ovulation, eh bien, ça retarde la ménopause. Mais attention, n'oublions pas que nous sommes dans le mois d'octobre rose. Nous allons toucher du doigt le cancer du sein. En tout cas, je sais que vous savez. Vous savez ce que c'est parce qu'on en a fait beaucoup de sujets ici et tout. Mais n'oublions pas que l'hormonothérapie mal suivie ou bien... fait à tort et à travers aussi représente un facteur de risque du cancer du sein. Donc, il faut faire très attention quant à la manipulation de tout ce qui est hormones. Et pendant la ménopause aussi, le risque de survenue du cancer du sein diminue de 23%. Mais avant d'en arriver là, quand même, dans la vie de la femme, on a des phases où on est soumis à une décharge hormonale de ouf. Donc, bon, il ne faut pas trop considérer ces chiffres-là. En tout cas, le reste, c'est la grâce de Dieu et aussi l'application des facteurs modifiables, un bon régime de vie, la lutte contre la sédentarité, l'alcoolisme, le tabagisme, un dépistage précoce. En tout cas, toutes les femmes qui nous suivent doivent connaître la technique de l'auto-examen du sein, l'auto-palpation, après observation. La dernière fois, j'étais sur un panel avec une dame qui me disait que nous, les médecins, on a souvent l'habitude de parler de l'auto-palpation, mais normalement, on dit auto-examen des seins, donc j'essaie de corriger. Sauf que, en fait, c'est pas... On dit auto-palpation, mais on dit toujours... On ne dit pas seulement de palper. On vous dit toujours de regarder avant de palper. Donc, bon, j'essaie d'inclure ça aussi. Il faut regarder avant de palper. Oui, il faut regarder avant de palper. Okay. Tu as des auto-examens de seins à faire? Non, mais il faut en faire. On ne sait jamais. Peut-être que bientôt, le taux va passer à 5% chez les hommes, c'est pas non négligeable. Ah, faut... Voilà ce message qui dit bonjour. Bonjour au docteur Pam, je suis d'accord avec maman. Au secours. Ah, mais attends, calme-toi, on lit un message, toi. Maman, vas-y. Alors, une chose est sûre, il y a ça des seins, c'est vrai, mais c'est pas vraiment des seins pour des seins, c'est du muscle. Mais tout le monde en a, Félix en a. Non, mais lui, franchement. Non, mais tout le monde en a. Alors, le message dit bonjour au docteur Pain. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Ma grande sœur atteint la ménopause à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, elle en a 38 et elle n'a plus jamais vu ce monstre. S'il te plaît, docteur, autre chose qui m'inquiète. Ma fille a 2 ans, parfois je retrouve du sang dans ses couches. Est-ce que c'est normal? J'ai même honte de l'emmener à l'hôpital pour ce genre de phénomène. Parfois, elle fait 1 jour ou 2 en saignant, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Madame, il faut vaincre la honte. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Il faut vaincre la honte et aller à l'hôpital. À 2 ans, retrouver du sang dans les couches, c'est pas du tout normal. Il faut qu'on puisse explorer. Là, tout à l'heure, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Sans, parce que vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, il vaut mieux consulter un médecin, un pédiatre,
ou un médecin généraliste pour en avoir le cœur net. Mais en tout cas, ne restez pas à la maison. Ça peut être quelque chose d'assez sérieux. Bonjour docteur, bonjour, l'équipe. Bonjour. Est-ce que si on utilise des gels intimes au pH neutre, ça peut causer des problèmes? Un gel intime au pH neutre? Non, pas du tout. Si le pH est adapté au pH de la flore vaginale, bon, qui dit neutre dit que voilà, il n'y aura rien qui peut affecter la flore vaginale, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en utiliser. Bonjour, alors je voudrais comprendre aujourd'hui si on a des jeunes qui font la ménopause précoce, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Parce que ma grande sœur également a fait la ménopause à 32 ans. Et moi j'en ai 28. Ma cousine a fait également à 33 ans et une autre cousine à 35 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ah ça, peut-être que vous avez une histoire familiale de ménopause précoce. Je vous conseillerais d'aller voir un gynécologue. Souvent dans les cas de ménopause précoce, on fait une hormonothérapie après bien sûr avoir vérifié qu'il n'y a rien qui puisse expliquer cette ménopause précoce, là, rien de médical, rien qu'on puisse traiter, aucun obstacle. On peut penser à l'hormonothérapie pour vous permettre de continuer par ovuler. En tout cas, et puis ça dépend aussi du capital d'ovules qu'on a. Et j'ai dit que ce capital varie d'une femme à une autre. Donc si vous en avez 50, c'est que vous allez épuiser vos stocks plus rapidement qu'une personne qui en a peut-être 500. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais en tout cas, pensez à aller voir un médecin gynécologue pour bénéficier de meilleures explorations en vue de mieux vous aider. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Docteur Pam, tu nous as beaucoup manqué. Tu es sexy ce matin. Hein. En tout cas, c'est votre image. J'ai lu votre... Bon. Comment je dois dire ça? Ma bouche n'est que messagère. Voilà. Quoi qu'il en soit, monsieur Atiouboué, dans les parages, ne vous en faites pas. Elle dit, ma maman vient d'avoir un bébé à l'âge de 58 ans. Gloire à Dieu. Est-elle ménopausée? Non, bien sûr que vous avez la réponse à votre question. Si votre maman a un bébé à 58 ans, c'est que une grâce, hein? Elle est toujours féconde. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais en fait, souvent on a ce genre de cas, mais c'est pas fréquent. C'est assez rare. Donc, quand nous-mêmes on en apprend, ça nous donne de la joie, mais en même temps aussi, on pense à tout ce qui va avec. Parce qu'à 58 ans, l'énergie n'y est plus. Je ne parle pas de grâce. Je ne parle pas de ce cas-là. Je ne parle pas de ce cas spécifiquement. Mais en tout cas, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une bonne chose. En tout cas, on pense à elle et on lui envoie plein de bonnes ondes. Et le nom de l'enfant, c'est Elias. Si l'enfant n'a pas encore de nom, envoyez-nous le nom de l'enfant. Par contre, dites à maman que si elle cherche donc un blanchisseur, quelqu'un qui va venir, parce que c'est ça aussi quand Pamela parlait de L'énergie. L'énergie. C'est pourquoi je voulais suggérer. Bon. Elias se prête. Elias aime faire ce genre de choses. Un bon nounou, un bon babysitter. Voilà, un babysitter. Il aime faire tout ça. Donc, à condition que l'enfant. Je vous laisse son numéro, c'est le 93-57-06-16. Dès que vous avez envie d'une nounou, enfin d'un babysitter en tout cas, contactez. Bonjour madame, je suis un garçon de 16 ans et je pousse de petits seins. Est-ce que c'est normal et que puis-je faire? Elias, ton témoignage. Ça dépend de la taille de la grosseur. Ça dépend de la taille de la grosseur. Attends, j'ai pas dit ça. Pamela, pardon. Oui. Alors, déjà, il faut que je voie votre morphotype pour savoir ce que c'est. Parce que si vous êtes filiforme, vous êtes mince, mais que vous avez des petits seins, c'est hormonal. C'est hormonal. Bon. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Maintenant, si vous avez de l'embonpoint et que vous avez une poitrine, ça aussi, c'est carrément autre chose. Donc, je ne peux pas vous répondre sans vous avoir vu, sans connaître votre morphotype.
Alors, pour les personnes qui disent, quelqu'un dit pourquoi est-ce que dans la ménopause encore on tombe enceinte? Non, comme l'a dit le docteur Pam, l'âge, c'est vrai, on dit qu'il y a la ménopause à tel âge, mais lorsqu'une femme a un certain âge assez avancé, qu'elle tombe enceinte, bon, tu m'arrêtes si je me trompe, elle n'est pas ménopausée. Non, elle n'est pas ménopausée, non. La ménopause, c'est pas l'âge. La ménopause, c'est pas l'âge. La ménopause, c'est la condition. Maintenant, elle peut arriver à plus tôt ou plus tard, mais il y a un âge moyen selon les études. Okay. Je voudrais savoir, est-ce que ça peut s'arrêter durant un temps et puis reprendre après? Non. Quand la ménopause s'installe, c'est qu'elle est installée. Par contre, le syndrome préménopausique peut venir de façon sporadique. Voilà. Ok. Bonjour docteur, ma soeur ne voit plus ses règles depuis 4 ans. Tantôt ça vient, maintenant ça ne vient plus. Elle est toujours vierge à l'âge de 27 ans. Que pouvons-nous faire? Très rapidement, allez voir un médecin gynécologue. Ça, il n'y a pas photo, quoi. Allez voir un médecin gynécologue pour des explorations. Ça peut ne pas être la ménopause, ça peut être plein d'autres choses qu'on ne va pas évoquer sur ce plateau. Mmh. Mais pour en avoir le cœur net, allez voir un gynéco. Merci beaucoup, docteur Pam. Ce matin, nous avons parlé de la ménopause et pour tous les messieurs qui réagissent aussi, on va parler bientôt de l'andropause. Je crois que vous ne devez pas avoir les mêmes difficultés que les femmes. C'est clair. Bon. C'est clair. Vous faites de chaleur. Non, c'était une question. C'était une question. Oui, tu as déjà commencé par sentir. Ah là 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 là. Tu as des bouffées de chaleur. Selon, non, mais la science dit c'est dans 35 ans. Bien, alors, c'est compliqué. Ok, donc on a le sujet du jeudi alors. Oui, exact, on a l'andropause pour les hommes également. Et je tiens à le repréciser encore parce qu'il y a beaucoup de messages, je n'ai pas voulu les lire parce que c'est pratiquement la même question. Quand quelqu'un, une femme que vous considérez qui ne devrait peut-être pas avoir d'enfants, tombe enceinte et a des enfants, elle peut procréer, elle n'est pas en mode ménopausée. Elle n'est pas encore ménopausée parce qu'à partir de la ménopause, normalement, il n'y a plus rien. C'est rigolo, mais je vais le dire. Quelqu'un a demandé, donc ça... Donc Sarah, c'est la grâce divine. Pardon, Quelqu'un demande Sarah. Faut pas prêcher. N'était pas ménopausée. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Merci. Tu allais être lancé comme ça. Ouais, j'ai senti ton lancement. Alors, on te laisse donner quand même le numéro de téléphone. Alors, pour toutes vos questions et avec toute votre patience, bien sûr, je réponds au 90 00 74 25. Et pardon, quand vous m'écrivez, allez droit au but. Parce que si je dois répondre à coucou, comment ça va? Ça va. Avec mon planning, je vous assure, je ne pourrai pas. Donc, posez votre question et en tout cas, je finis toujours par répondre. D'accord? Merci beaucoup. Et n'oubliez surtout pas, pour toutes les autres informations que vous voulez savoir également. Vous pouvez les retrouver en tapant juste @hôpitaux. Quand je ne réponds pas vite, sur toutes les plateformes, social media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn et autres. Exactement. Voilà. Même les autres, Jupiter, Mars, la Lune, tout ça, tant vous avez un réseau. Ça au moins, ça j'apprécie. Je n'ai pas souvent de coups de fil après 22 heures. Par contre, j'en ai vers 5 heures du matin. Parfois. Et tu es médecin, c'est normal aussi. Hein. C'est normal. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Alors, pour ce petit débat-là, on va recevoir le docteur Pam un jour qui n'est pas donc un jour de santé. Et elle va pouvoir vous dire comment ça se fait que Sarah ait eu son enfant à cet âge. Parce que les messages continuent de venir par rapport à cela. Merci, ma très chère docteur Pam. Merci à vous. Et cette fois-ci, chers amis téléspectateurs, vous le savez, on aime bien s'inspirer, on aime bien se booster. Et ce matin, nous allons encore parler avec mon cher monsieur Phoenix. Voilà, dont la rhétorique dépasse l'âme, c'est bien ça? Le styliste dont la rhétorique dépasse l'âme dans la pensée du jour, et c'est maintenant.
La pensée du jour d'aujourd'hui, la pensée du jour, je dis d'aujourd'hui, pardon pour la tautologie, la pensée du jour en tout cas nous est délivrée par monsieur, c'est ça, l'humaniste ou l'humanitaire ou l'humain, tu as dit on doit humanité. Parler. Humanité ou humanisme ou, humanisme. Ou humain. Humanitaire. Humanisme. Elias. Mais lui, il est là, il voit chuter le. En fait, alors. Selon toi, et humanisme, humanitaire, humanité. Oui. Si. Non, mais la question. Oui, c'est. C'est lequel? Il y a homme là-bas. C'est le plus. C'est l'important. Tous ces mots-là ont trait à l'homme. Vous savez, ça dérive. Bravo, bravo. Donc, tant qu'il y a homme, c'est le plus important. L'homme passe avant tout. Agbetol et Vévéré. Maintenant, tu peux. Alors, tu as Monrovia qui te salue et qui dit ils sont fâchés parce que tu as pensé à Niamtougou sans penser à Monrovia. Ah, Monrovia. Ouais, Monrovia, c'est. Monrovia, c'est au Libéria. Ah oui. Ah, je respire. D'abord, il y a Nden Smith qui serait là actuellement. Salut, salut Nden Smith, salut Monrovia. On est ensemble, la famille. Alors, la pensée d'aujourd'hui va nous amener vers un thème qu'on a beaucoup débattu, mais on va regarder une vidéo dans laquelle on l'explique vraiment et ce que ça engendre, c'est-à-dire on a souvent dit sur ce plateau, ne pas se comparer aux autres, ne pas se comparer à ceux qui sont autour de nous. Mais par quel processus la comparaison nous nuit? On va regarder la vidéo de la pensée du jour et puis on reviendra après pour en parler. D'accord. Il ne faut jamais se comparer aux autres. Oh. Le faire, c'est s'insulter. Unique. Nous sommes tous uniques. Chacun de nous a des qualités, des expériences et des difficultés que les autres n'ont pas. Ton histoire est unique. Tes expériences sont uniques. Si tu te compares à quelqu'un d'autre, tu ne te rends pas service. Parce que tu ne sais pas ce que personne a vécu ou ce qu'elles ont fait pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il est devenu facile de suivre des célébrités sur les réseaux sociaux et de comparer sa vie à quelques moments bien précis que ces personnes ont choisi de montrer. Est-ce que tu sais que les gens qui regardent Facebook plus de 5 fois par jour ont plus de risques de dépression ? On oublie en fait que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Ils sont un bon moyen pour nous montrer que les bons moments de notre quotidien. Tu vois que les photos de vacances, les moments où les autres sont heureux et s'amusent, mais tu ne vois pas leurs moments de galère. Et quand tu compares ce que tu vis au quotidien à des moments bien choisis dans la vie de quelqu'un d'autre, tu te sens inférieur. Ce qui affecte ta confiance et aussi augmente tes chances de te sentir déprimé. Ce que je cherche à te dire ici, c'est que tu ne vois pas les années de galère. Tu ne vois pas les années que Jeff Bezos a passées dans l'ombre en lançant Amazon. Tu ne vois pas les années de galère d'Elon Musk avant de créer plusieurs multinationales à succès. Tu ne vois pas les heures d'entraînement que Serena Williams a fait pour arriver au numéro 1 mondial. Ce que je cherche à te dire ici, c'est que le succès du jour au lendemain prend souvent 10 ans de préparation dans l'ombre. Je ne te dis pas tout ça pour décourager, mais au contraire. J'aimerais que tu trouves des personnes qui t'inspirent, des personnes qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser et t'inspirer de leur parcours. Warren Buffett disait qu'on doit apprendre des erreurs du passé, sauf qu'il n'y a aucune règle qui dit que ces erreurs doivent être les nôtres. Trouve des personnes qui t'inspirent. Étudie ces personnes-là, pose-leur des questions, lis leurs livres, essaye de passer un maximum de temps en leur compagnie, apprends de leurs erreurs et de leur expérience. Et garde toujours en tête que tu es unique. Apprends des expériences des autres, mais arrête de te comparer aux autres, parce que tu n'es en compétition avec personne. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Ta mission de tous les jours, c'est de devenir une meilleure personne que celle que tu étais hier. Et c'est un combat que tu dois mener tous les jours. Un combat pour ne pas succomber à la facilité. Un combat pour faire ce que tu dis, pour faire attention à ce que tu manges, pour faire attention à ce que tu dis et faire attention aux personnes que tu fréquentes. Parce que tout compte, tes fréquentations comptent. Les vidéos que tu regardes comptent, les images que tu regardes tous les jours comptent. Et si tu veux devenir meilleur, tu dois faire attention
aux informations que tu envoies à ton cerveau et aux pensées que tu gardes en permanence dans ton esprit. Et tu n'es pas condamné à revivre les mêmes expériences si elles ne te plaisent pas. Tu es là où tu es aujourd'hui grâce ou à cause de tes décisions dans le passé. Personne ne te force à faire quoi que ce soit. Si tu prends la totale responsabilité de ta vie, de ta situation et de tes résultats, ça sera ton premier pas vers ta réussite et ta paix intérieure. Et tu as le pouvoir aujourd'hui de donner une nouvelle direction à ta vie. Tu as la capacité de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouvelles choses, de devenir une meilleure personne. Et rappelle-toi, tu es unique. Maintenant, à toi d'exprimer ton unicité. La vidéo de motivation de ce matin proposée par Félix qui nous parle de comparaison. Et j'aime la fin de la vidéo qui dit tu es unique à toi d'exprimer ton unicité. Je crois que ça résume un peu tout ce qui a été dit dans la vidéo. Et ça rappelle aussi la citation de début, ne te compare pas aux autres, le faire c'est insulter. C'est-à-dire, c'est de dire que tu n'es pas unique. Alors que nous savons tous que Dieu nous a créés chacun de manière unique. Nous nous ressemblons, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous n'avons pas la même histoire, nous ne sommes pas nés dans les mêmes familles, nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes aptitudes et nous n'avons pas les mêmes rêves. Donc nous sommes plus ou moins uniques, chacun en son genre. C'est vrai, on a des points en commun, mais de manière globale, chacun est unique. Et donc du coup, ce n'est pas la peine de se comparer. Quand on dit se comparer, c'est comparer sa personne. Vous pouvez vous comparer sur certains critères. Par exemple, vous êtes tous élèves, vous avez composé le même devoir, les notes sont tombées. Tu peux comparer ta note à la note de l'autre. Et la personne a eu une meilleure note que toi. Tu as comparé ta note. Mais là où ça devient inquiétant, c'est comparer sa personne à la personne de l'autre. Sachant que la personne regroupe toute l'entité. L'histoire, les rêves, les aptitudes, l'environnement et tout. Et quand on se met dans cette comparaison-là, ça devient compliqué parce qu'on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. On n'a pas tout ce qui est autour de la personne. On ne se compare qu'à ce qu'on voit. Il parlait des réseaux sociaux. C'est devenu facile de regarder les gens sur les réseaux sociaux. Sachant que ce que les gens publient généralement, ce sont des moments bien choisis. Quand peut-être sur 10 photos ou 100 photos, le même jour on prend 10 photos tout de suite, je vais regarder toutes les photos et c'est la meilleure photo, celle où je me sens plus mise en valeur que je vais poster sur les réseaux sociaux. Et toi, tu vas prendre cette photo-là pour te comparer à cette photo, ça va forcément te donner l'impression d'être moins que cette personne-là parce que tu n'as pas eu le temps de te choisir, tu te regardes tous les jours, tu te connais très bien, tu connais tes qualités, tes défauts, et comparer toute ta personne à ce que l'autre a choisi de te montrer, forcément tu vas te sentir inférieur. Donc, on peut être en compétition sur certains points de la vie, comparer certains résultats dans le but d'améliorer, d'apprendre ou d'avancer à travers cette comparaison-là. Mais comparer sa personne à la personne d'une autre personne, on sera forcément désavantagé. Ou même si on ne l'est pas, on va se surestimer. Ça arrive aussi qu'on se compare aux autres et on se trouve toujours meilleur alors qu'on ne sait pas ce que les autres font dans l'ombre. Le succès du jour au lendemain, comme il a dit, prend souvent 10 années de préparation dans l'ombre. Donc, il ne faut pas prendre juste un moment précis de la vie de quelqu'un et te comparer à ce moment-là. Je crois que c'est résumer un peu la vidéo, même si j'ai été plus long. Alors, justement, nous parlons du principe de la comparaison. La vidéo a dit plusieurs choses, donc du coup, je vais faire un petit tour de salon, pas de table, rapidement, pour avoir vos avis les uns les autres. Et on commence par toi, Sandy. Oui, déjà par rapport à la vidéo dit tout en même temps. Nous avons cette habitude des fois de faire des petites comparaisons, mais moi je préfère cette comparaison qui nous amène à sortir de la procrastination. Je préfère cette comparaison qui nous amène à bosser plus dur qu'avant. Je préfère cette comparaison qui nous demande de faire mieux que ce que l'on fait. Parce que la plupart des temps, on est là dans cette zone de confort, soi-disant que bon, ça va, et pourtant ça ne va pas. Et c'est ce qui fait qu'on ne commence pas à faire cette comparaison indirecte par rapport à la personne peut-être
qu'on compare, si je fais la tautologie, excusez-moi, on fait cette comparaison-là, au lieu de chercher à bosser, au lieu de chercher à aller loin dans ce que nous faisons, on est là juste à ne rien faire, mais à faire la comparaison. Et c'est ce qui fait que des fois, on se sent frustré. Il y a la frustration, il y a la colère, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a tout qui se mélange. Et après, nous-mêmes, on est là, au lieu de chercher à aller de loin. Il y a ce deuxième côté, moi, les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout contre, mais on se fait trop d'illusions avec les réseaux sociaux. À chaque fois que tu vois le statut de tel ou tel, on commence pas à se faire des illusions. Ouais. Et si tu n'as pas un mental un peu fort, tu risques peut-être de commencer par jalouser quelqu'un qui est là. Ouais. Peut-être que la personne aussi, c'est sa manière de sortir du stress. Ah oui. C'est sa manière de se défouler. Ah oui. Moi, je vais dire, personnellement, quand vous me voyez en train de regarder les statuts, c'est que je suis à l'autre poste. Excusez-moi de le dire. Qui comprend, comprend. Je suis désolée. Ouais, je n'ai pas le temps de le faire aussi de trop. Je n'ai pas le temps non plus d'aller regarder. Mm. Parce que tellement occupée, à moins que je suis de l'autre côté de l'autre poste, ben c'est ça, quoi. Tu comprends, non? On a compris. Donc, c'est ça. De la même manière, des fois, sur le statut, peut-être je veux publier mes produits, ouais. Je veux donner quelques conseils. Mm. Ça s'arrête là. Mais passer tout son temps à rester scotché, c'est vrai, je ne suis pas une blogueuse ou quoi que ce soit. Il y en a, c'est leur travail. Mais si ça vous réussit et que ça vous rapporte, allez-y. Quelqu'un pour qui ça ne rapporte pas, au lieu d'aller vaquer à autre chose, on est là à rester dans ça et à se faire des illusions. On pense que... Et puis, il y a ce côté aussi qui fait que des fois, quand on voit le statut ou le profil, on pense que la personne va bien. Mmh. Peut-être la personne est dans son coin, ça ne va même pas. La personne est vraiment dans un trou. On ne pense pas à tout ça là. Le mieux, je pense que la vidéo nous motive à bosser, à penser à soi et à donner le meilleur de soi. C'est ce que je prends pour la vidéo. Merci Sandy, c'est mes fois. On va dire que la vie nous apprend des choses. On va dire que ce sont des leçons que nous devons apprendre pour pouvoir nous construire. Donc, dans la vidéo, il est dit que d'apprendre de ses erreurs et de ne pas s'identifier à ses erreurs. C'est la partie qui m'a un peu plus intéressée. Parce que nous tous, nous sommes appelés à faire des erreurs dans la vie. Et ces erreurs-là nous poussent aussi à nous comparer à nous-mêmes au départ, avant de nous comparer aux autres. Et ces erreurs aussi poussent notre entourage, des fois, à nous comparer aux autres. Ou à nous comparer à celui que nous étions il y a juste quelques minutes ou hier. Donc, ce qu'on peut faire, nous parlons ici chaque fois de rétrospection. Moi, je crois que c'est une des solutions pour pouvoir ne pas trop se morfondre sur son sort et pouvoir voir les bons et les mauvais côtés de soi qu'on va les changer. Vous savez, se demander si je fais bien ou pas, c'est bien. Mais quand tu sais que tu n'as pas bien fait, au lieu de te dire... Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Why did I do that? Like, why? What was the reason? Mais c'est mieux de se dire, bon, ceci, je ne l'ai pas bien fait. Soit je vais vers cette personne-là pour demander comment est-ce que je peux le faire mieux. Ou soit je m'assieds quelque part et puis je vois, en fait, je fais une approche de solution moi-même sur laquelle je me base pour pouvoir avancer. Nos parents, ils veulent notre bien. Ils veulent nos biens. Donc, quand ils voient l'enfant de quelqu'un, eux, ils ne savent pas ce que l'enfant l'a fait à la maison. Ils se projettent. Ouais. Ils ne savent pas, en fait, comment est-ce que l'enfant la vit. Qu'est-ce qui fait que ses parents aussi n'aiment pas. Mais eux, tout ce qu'ils voient, c'est ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Donc, quand ils veulent parler, ils partent sur ça. Mais toi, tu sais ce que tu fais aussi. Donc, si tes parents te disent, oh là, les classes, vraiment, on leur donne, mais avec eux, elle est le premier. Hein. Tu sais ta capacité de faire. Tu bosses plus. Et on m'a parlé de cinquième colère, le troisième. Là, en fait, la comparaison va diminuer. Des fois, bon, moi, quand je parlais au moins, quelqu'un est le troisième, mais on parle le premier. Moi qui ai besoin de passer dur. Mais au moins là, ça t'encourage toi-même à faire mieux. On n'attend pas, on ne doit pas toujours attendre des autres avant de pouvoir pousser, se pousser loin. Il faut commencer par soi.
Parce que tu es la base de ta vie, tu es la base de ta réussite, tu es la base de ta joie. Et dans un film, on a dit War Room, c'est que toute base, c'est nous, mais la grande base, c'est Dieu. Donc, quand ça ne va pas, on se compare. Mais fais la comparaison en face de Dieu. Des fois, c'est mieux de s'humilier à un niveau donné que les autres ne peuvent pas savoir. Et apprendre, en fait, et à prendre un autre envol que toi-même, des fois, que tu ne vas pas savoir que tu pouvais le faire. C'est alors, comme ça. Du coup, moi, j'ai envie de poser une question. Elias, tu vas être le premier à répondre. Peut-on vivre une vie sans comparaison? Y a-t-il des gens que vous connaissez qui, bon, moi j'en connais, il est juste à côté de moi, à ma gauche. Je ne sais pas comment Dieu l'a créé, c'est juste compare à personne, il est dans sa bulle, quoi. Mais est-ce que vous connaissez comme ça des gens qui ne se comparent pas, qui ne se disent pas, oh, pourquoi si, pourquoi ça? Et la comparaison peut-elle être juste positive? Parce que là, tout ce qu'on dit, c'est pour la plupart négatif. Le fait de se comparer, on finit par avoir un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. En tout cas, ce n'est jamais juste. On se compare et c'est positif. Alors, est-ce qu'on peut avoir une comparaison juste positive et peut-on vivre sans ne pas chercher à se comparer? Si oui, en connais-tu? Alors, je crois qu'il faut, plutôt avoir un modèle. Ça, c'est ce que moi, je crois. Il faut avoir un modèle, travailler peut-être pour être comme ce modèle, arriver au niveau du modèle, peut-être le dépasser si la providence le veut. Ouais. Sinon, mais ne pas l'envier quand même. Mais ne pas envier. Moi, en termes de comparaison, je dis qu'il faut être soi. C'est ce que je vous dis toujours. Il faut être soi, il faut compter sur ses aptitudes. Déjà, quand tu te connais, quand tu sais ce que tu as, quand tu connais ta valeur, quand tu sais aussi ce que tu vises, mets toutes les chances possibles de ton côté pour y arriver, en fait. Voilà. Avoir peut-être une image de ce que tu veux. Mais là, tu parles de se connaître. Oui. Je crois que quelque part, comme le disait Félix, il y a un mal-être ou il y a un petit quelque chose qui fait que tu as plus tendance à te pencher pour regarder ce qui se passe de l'autre côté. Mais il ne faut pas y rester. C'est là où moi je parle souvent de cette comparaison relative. Des fois, c'est face à certaines situations, on sent cette comparaison qui brûle en nous, qui peut tourner peut-être mal ou qui peut... Faut pas rester en fait dans cette projection sur l'autre. Non, moi je parle. Alors ce que nous allons faire, excusez-moi. Quand on parle de comparaison, prenons ça comme ça. Comment se compare-t-on? C'est-à-dire que voilà mon téléphone, voilà le téléphone que papa Claude a à la main. Donc je le regarde, je dis tiens voilà son téléphone et du coup je vois la marque du téléphone et puis là je fais. Oh, c'est pas la même marque. Comment ça se fait qu'il l'ait? Pourquoi il l'a? Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc, c'est le pourquoi pas moi qui n'est pas bien. Mais à partir du. Quand je fais. Oh, regarde son téléphone. Ou regarde sa marque. Jusque-là, il n'y a pas de comparaison. Hein. Je ne fais qu'un constat. C'est un constat. Donc, c'est le pourquoi pas moi qui est la comparaison. Oui et non. Commencez par penser que. Parce qu'il a ce téléphone. Moi aussi, je dois. C'est pour cela qu'il a. Mais le téléphone, par exemple, est plus cher que le mien. Ton téléphone est plus cher que le mien. Donc, parce qu'il a ce téléphone qui est plus cher que le mien, il est meilleur que moi. Meilleur. Mais si je ne suis pas. Il vit mieux que moi parce qu'il a ce téléphone. Alors que le téléphone, ce n'est qu'un aspect de sa vie. Il y a plein d'autres aspects de sa vie que tu connais pas. C'est là où moi, je parle toujours de ce côté relatif. Relatif plutôt, parce que des fois, prenons juste un enfant, un orphelin. Je vais sortir un peu du cadre. Ouais. Prenons un orphelin, quelque part, qui s'imagine comme l'autre enfant. Ou bien prenons un orphelin dans une classe où il voit l'autre enfant qui a déjà tout. Mais pour son cas, il y a cette comparaison qui est très, très, très relative et des fois qui peut rendre malheureux ou quand même soit il fait avec et il sort dedans. Parce que dans nos vies, nous sommes tous passés par une comparaison
vraiment relatif. Je ne sais pas comment ça a été pour Félix, vous ne savez pas comment ça a été pour moi. Il y a eu des moments où c'était des pleurs parce que je voulais avoir tel, mais avec le temps, je suis passée par cette blessure. C'était une blessure. Moi, ce que je vais dire plutôt, c'est qu'on passe tous par ces moments de comparaison où on se compare. Oui, on se, voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est de ne pas rester là-bas, en fait. C'est-à-dire, ne restons pas sur l'image de l'autre. Oui. Essayons de vite dépasser cela pour arriver quand même à se... T'es pas abusé de l'autre. Là, je suis d'accord, mais je crois que c'est le principe ou le problème, justement, parce que la vidéo a démarré par les réseaux sociaux, en fait, et a expliqué un peu, et comme on le dit, c'est-à-dire, tu prends ta magnifique photo, et puis ensuite, après, tu la déposes là, et tout le monde est « Oh my God, oh là là, oh, oh, c'est, oh, 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 oh. » Tout marche bien pour lui. Tout marche bien, en fait. Tout marche bien, et c'est aussi un piège, parce que moi, c'est l'image que je veux rendre. Ouais. Maintenant, c'est sûr que j'ai pas, soyons honnêtes, quoi, en tant qu'être humain, à part le principe des téléréalités, et à part le principe de certaines personnes qu'on suit aujourd'hui, et même, parce que hier, moi, j'ai vu un post, je vais la citer, de Kim Kardashian, qui dit, je crois que j'évolue, parce que je suis fatiguée de me montrer, enfin, voilà, souvent dénudée et autres, et tout ça, et dans ce qu'elle disait, non, que même, c'est pas tout ce qu'on montre, c'est pas ça, c'est pas notre vraie vie, c'est pas comme ça que nous sommes. Mais il y a un but derrière. Ce que je veux dire, on peut pas non plus leur jeter la pierre parce qu'il y a un but. Donc si je viens et que je prends la plus belle de mes photos et que je la mets sur ma page et que tout le monde vient pour dire, mon Dieu, Aïcha, oulala, oh, qu'elle est milliardaire, oh, qu'elle est belle, oh, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Quelque part, je n'ai pas mal fait parce que chacun veut se présenter sous son meilleur jour. Ah oui, on est d'accord. On est tous d'accord, tous d'accord. L'autre qui vient maintenant regarder se dit, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle a les cheveux d'une haïtienne? C'est lui qui est culpabilisé dans l'histoire. C'est lui qui culpabilise. En fait, est-ce que lui, il ne peut pas ne pas regarder? Vous dites, il regarde, il se compare. Est-ce qu'on peut ne pas regarder? On doit regarder. On doit pouvoir comparer. Oui. Voilà. Mais ne pas y rester. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, si tu n'as pas la force de caractère, tu restes. Ouais, parce que c'est une force de caractère. C'est un rappel de mindset, tu penses. C'est ça, c'est le plus important. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher aussi de voir les autres et de dire, bah, attends. Et ça nous fait rêver aussi des fois. Hein. Oui. Tu vois, ça te booste, ça te dit, attends, je veux. Tu l'as dit. Mais ne reste pas déçu jusqu'à ce qu'on déprime, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à manger. Ça peut se permettre de sortir. Bonjour à vous tous sur le plateau. Lorsque j'étais au collège, mes parents me comparaient avec une jeune fille de notre maison. Et au même endroit, ses parents la comparaient à moi. Chacun est effectivement unique. Bats-toi pour ta personne et pour celle des autres. Alors, on a ce message qui dit « L'esprit d'émulation est une comparaison positive, car il permet de s'améliorer. » De la part de M. Moula, merci beaucoup. Merci, M. Bonjour. Moi, je pense que pour se comparer, ce n'est pas encore le problème. Est-ce qu'on va dire se comparer? Quand je regarde le téléphone et que je vois la marque, jusque-là, je ne me suis pas comparée. Mais à partir du moment où je commence à me dire « Pourquoi moi ?», c'est qu'il y a un problème chez moi. Donc, la comparaison, malheureusement, est normale chez tous les êtres humains. Bon, d'accord. Exact. Oui. Je trouve que c'est normal. C'est mais tout à fait. Savoir la faire. Ouais. C'est la finalité qui est le plus important. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la vidéo. Et c'est sûr que ça nous résume notre vie d'aujourd'hui. Tout le monde se compare. Les présidents se comparent au président. Les ministres se comparent aux ministres. Les pays se comparent aux autres pays. Ah oui. Les mamans se comparent aux Tisa. Merci pour ça. On ne s'attendait pas à ça. Et je me compare par exemple à Elias, bien que je sois rappeur également. Ah oui. Ah, okay. Donc la comparaison, c'est que depuis samedi par exemple, je me dis que je dois arriver à être à un niveau qui puisse me permettre de faire un featuring avec lui, même si je trouvais que j'étais bon. Bon, ça. Je me suis comparée et voilà ce que cela a découlé. Merci beaucoup. D'accord. Et nous avons bonjour le plateau. Bonjour. Je pense qu'il faut apprendre à se comparer. La comparaison doit se faire. Maintenant, comment en sortir? Beaucoup n'arrivent pas à en sortir. Et je voudrais souligner quelque chose. Dans la vidéo, tout à l'heure, il a parlé de Venus Williams et de sa sœur, Serena. Il a dit, on ne connaît pas le nombre d'années que ces filles ont fait. Ah. Il y a la nouveauté maintenant, c'est la prochaine sortie de Will Smith, je crois que c'est ce mois, qui est donc justement la méthode Williams, où on peut voir dans ce film la biographie des sœurs Williams. Et on voit que
pour les extraits, les teasers qui sont sortis, à 3 ans, à 4 ans, leur père était... Mais ah, c'est très pointu, bon, on est tous pressés de regarder ce film, en fait, mm-hmm. La méthode Williams. Et quand on va plus loin, on a parlé de Michael Jackson, par exemple. Ouais. À 5 ans, comment on traînait ce temps? À 5 ans, nous, on suçait le doigt, on faisait... Voilà, hein, chérie. Oui, mais à 5 ans, il avait, on le drainait comme un enfant, comme un adulte, en fait. Mmh. Et ça a donné le résultat que ça a donné. Alors, si tu te lèves et que tu dis pourquoi Michael et pas moi, sans regarder tout ce qu'il a vécu, c'est compliqué. Et, toujours un post hier du fils de Michael, parce qu'on a comparé Drake à Michael Jackson. Et le fils a fait un post pour dire Drake fait des choses formidables, mais c'est difficile de comparer Drake à mon père, à tout ce que mon père a fait. Ouais. Il se blessait, mais continuait de danser en entraînement. Mmh. Tu vois toujours plein de sparadrap sur ses doigts. Ouais. Alors, on a tous un background, on a tous des nuits, des choses, on paye des prix. Et puis ensuite, après, maintenant, c'est sûr que je ne vais pas venir pour te dire, oh, pour pouvoir venir à Nectar ce matin, je me suis réveillée à 2h du matin, j'ai coupé mon sommeil, je suis là. Quelqu'un va dire, oh, coucou Aïcha, ça va, tu vas bien, mon Dieu, vous êtes magnifique sur le plateau, mais... on ne te dit pas l'histoire derrière. Alors, donc, derrière, il va dire, j'entendais M. Jean Agao qui criait aujourd'hui quand il a appris la destination de Sondra. Mais l'autre, quelque part, va dire, oh mon Dieu, regarde, she's shining, elle est magnifique et tout. C'est vrai, mais il y a un prix qui a été payé derrière. Donc du coup, quelque part, oui, on se comparera. Nous-mêmes, on le fait aussi, on regarde. Mais comme le disent les uns les autres, ce n'est pas le principe de se comparer. Je regarde, oui, j'aime bien, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et attention à ne pas se tromper de combat. Et Félix l'a dit, nous sommes uniques. Sandra a son domaine, j'ai le mien, Félix a le sien. Elias a le « et ce n'est pas. Maintenant, quand je me compare, est-ce que c'est pour ça que je suis appelée? Donc, je reviens à ce que Elias disait, il faut se connaître d'abord. Ce n'est pas parce que Semifa est une magnifique danseuse que je la vois, ça me donne envie que forcément, je peux y arriver. Peut-être que je ne suis pas appelée pour la danse. Il suffit de voir Elias danser, on comprend que c'est un bébé qui gigote. Mais quand il rappe, nous tous, on est d'accord que voilà quoi. Mon frère, mon frère. Tu te fais une petite démo? Mais pas de danse. fais ton pas de danse. C'est quoi? Le meilleur, ton meilleur pas de danse. Fais-nous ça, on va voir. Le meilleur? Oh, Seigneur. Son français, fait tout. Voilà, donc du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle pensée. On en parle à chaque fois, mais quelque part, ça fait partie de la vie. Et surtout, aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, ont emmené cela à un niveau supérieur, qui fait que ça va aller crescendo. Maintenant, c'est le mindset. Et donc, comment se bâtir ce mindset-là en tant qu'adulte, en tant que parent, nous avons la responsabilité de dire à nos enfants, tu es bien. Tu peux faire mieux, mais même si tu n'es pas comme un Félix, tu es quand même bien et je t'aime comme ça. Là, ça permet qu'en tant qu'adulte, ils ne se mettent pas à envier l'autre en se comparant. Il peut comparer et dire, waouh, je vais devenir comme ça. Et puis, il se bat et c'est tout. Merci beaucoup, mon cher bébé. Merci, maman. Vous voyez qu'on a des fils comme ça, ça fait du bien, quoi. Des fils comme Elias, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Du bien, la prochaine fois, du bien ne doit pas rester de ce côté parce qu'il déteint totalement sur Elias. Ça fait beaucoup de bien. Il change même mot. Mais il change même mot en... En bien. En bien. Oh, maman. Oh là là. Sauvez-moi. J'en peux plus. Merci beaucoup à toi, Félix. C'était pour la pensée de ce matin. Et merci pour tous vos messages. Pardon, on en a beaucoup. Et ça continue encore. Les félicitations pour Elias avec... Centrinos, et on demande à ce qu'on... Demain, je vous promets qu'on va vous montrer cet extrait-là. Nous allons voir les amis de Tout est calé, on va vous remontrer cet extrait-là. Mais pour le moment, nous allons parler de la formation à la nouvelle référence. Oui. Et puis, tu vas répondre également à une question qui revient encore sur le bain. Ça dépend de la... Pépite beauté. Alors,
avant de parler de la nouvelle référence et de la rentrée qui est le mercredi, c'est bien ça? Oui. Alors, la question revient encore. Moi, ça dépend de la douche. C'est mes femmes déjà répondu. C'est mes femmes. On aura une vidéo très bientôt. Avec qui? C'est mes femmes en train de se doucher? Non, on vous laisse la surprise. Vous allez faire un bain. Vous allez avoir une vidéo. Tu vas la montrer sur une douche. Non, vous allez ça. Tu vas la montrer sur une douche en train de se doucher. Maman, elle est là-bas. Vous allez hypogman à Polou. Tu vas me dire Polou, non? L'aiguille le vide pour. Oui, la question. Alors justement, la question c'est, je vais te lire le message, c'est encore mieux. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour à vous tous et vous êtes très très belle, surtout la jeune femme en rouge, Semifa donc. Merci. Bon, on te demande de te lever, d'ici la fin de l'émission elle va se lever pour, voilà, pas pour danser. J'ai une question pour Sandy. Sandy, tu m'as beaucoup manqué, je voulais te poser la question. Mon mari... ne met jamais plus de 5 minutes pour se laver avant d'aller au travail. Et quand il rentre le soir, la seule chose qu'il fait, c'est se brosser les dents, se rincer les aisselles, les pieds et se coucher. Est-ce que, Elias, tu te retrouves? Oui, il se retrouve. Est-ce que c'est un bon comportement? Il a, bon d'accord, il a l'argent, il utilise, je ne vais pas citer les parfums, donc il est souvent parfumé. Mais est-ce que franchement c'est un bon comportement? Merci madame. Déjà c'est pas un bon comportement. Déjà de se laver ne serait-ce qu'une seule fois n'est pas conseillé. Sur le plan sanitaire, c'est pas bon. Sur le plan hygiénique, c'est pas bon. Il faut se laver au moins 2 fois, sinon 4 fois par jour. Si maintenant pour ces personnes qui ont des activités loin de la maison, c'est possible que vous vous lavez le matin, mais le soir, il faut se laver. Nous allons parler de l'utilité de l'eau sur la peau. Quand nous parlons de se laver ou de se doucher ou de prendre un bain, a des effets sur la santé ou le bien-être. C'est très important. Prenons juste, allons vers les grands-mères. Quand on parle d'astuces de grand-mère, on va te dire, fais coussie d'eau. Des fois, quand on a la fièvre et autres, c'est aussi une astuce pour permettre de se débarrasser des microbes, de cette saleté qu'on a sur la peau. Quand nous prenons toujours le fait de prendre toujours une bonne douche, ça permet non seulement d'évacuer les toxines, parce que nous, même si vous ne suiez pas... ou bien vous ne voyez pas la transpiration sur le corps, il y a la transpiration. La peau sécrète des petites transpirations, la sueur, qui peut se mélanger aux microbes et on peut sentir mauvais. Mais il se lave les aisselles. Oui, il se lave les aisselles. Ce n'est même pas encore ça. La dernière fois, nous étions en train de parler de ces enfants, des parents qui devraient de temps à autre donner des coups de douche aux enfants. Ouais. Elias me regarde. Je ne vais pas dire madame va doucher monsieur, non. Mais il faut que monsieur prenne l'habitude de se laver, ne serait-ce que 2 fois. Ouais. Avec... une très bonne éponge et un bon paire de savon ou un gel de douche. Alors, selon la dame, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est qu'il se lève le matin. Oui. Il fait au moins 5 minutes ou moins. Oui. Et le second cas, bon, c'est le soir. Oui. Où il arrive à laver des parties un peu intimes, on doit dire. Se laver une seule fois même, ce n'est pas conseillé. Quelle que soit la zone, même si vous habitez dans un désert, il faut un cas force majeure pour se laver qu'une seule fois ou se laver peut-être deux jours après. Se laver, oui, il y a des forces majeures où on peut être privé. Même pas ces pays, il y a même des gens même qui n'en ont pas en fait en termes d'eau. Mignon là, comment ils n'en ont pas en termes d'eau? Si nous les pipo à mola. Oui, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Si, à l'omé. Ouata. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais j'ai compris. Là, concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que. Elle n'a qu'à l'encourager déjà à se laver avec lui. Ça va l'encourager. Prendre la douche ensemble, ça peut l'encourager. Douche ensemble. Je suis désolée, oui. Oui, douche ensemble. Oui. C'est-à-dire, elle a les mots dominés. Elias, comme tu veux, si tu te retrouves dans... Tu aimes te toucher à ta patte. Il dit, quand on parle de douche ensemble, ça veut dire que madame va laver le ventre. Oui, parce qu'on a plein de tas de saletés qui se collent à la peau, qui sont invisibles à l'œil nu. C'est très important. Et dit, Hanado Afidewa, franchement...
tu ne peux pas. Moi, je crois que la solution, elle doit en parler au monsieur. C'est déjà, oui, déjà oui, très elle important. En parle, c'est pourquoi. Il faut en parler, madame, et après, déjà, 5 minutes de douche, selon moi, il est grave. Il y en a qui ne se douchent même pas, là. C'est là où c'est grave. 5 minutes. 5 minutes 5 minutes, c'est quelque chose, ça peut aller. Non, attends. Bon, 5 minutes, là. 5 minutes, oui, mais 5 minutes, tu as le temps de. Tu n'as pas le temps de frotter. Non, attends, je te montre la stratégie. On avait parlé. La stratégie des 5 minutes. Ah bon? Donc. Il rentre dans la douche. Ah, tu parles de moi? Il prend l'éponge avec le truc là en même temps. Se douche ensemble, finalement. Maintenant, tête là-bas. Non, maintenant, il commence par se gratter avant de mettre le produit. Tu parles et ça rend propre. Non, on avait déjà dit ici. Moi, je prends mon temps. On peut se laver. 20 minutes. On peut avoir minimum 5 minutes. Sinon, normalement, il faut plus. Il faut plus. 20 minutes. 10 minutes, 20 minutes, c'est bon pour moi. Maintenant, le bain, c'est pour 45 ou 1 heure de temps. Quelqu'un me dira, si tu le permets, depuis qu'on parlait des bains, si quelqu'un l'a expérimenté, la personne n'a qu'à nous écrire pour donner. Parce que moi, j'ai eu des retours. Il y en a qui l'ont essayé et il y en a qui ont bien dormi plus que le sommeil normal. Je comprends aussi ce que Elias et Semefa disent parce que voilà, il y a des maisons où la douche, vraiment, tu n'as pas le temps de prendre 45 minutes et tout ça. Ne serait-ce qu'une fois par semaine. Oui, mais imagine, même si tu es en location et que les autres, ils attendent peut-être pour pouvoir profiter de cette douche. Ils sont méchants. Réveille-toi très vite pour prendre. Non, mais plus, attends, ne donnons pas de ces mauvaises excuses. Tu as dit qu'il faut au moins 4 sauts. Non, mais attendez, moi, je parle... Je n'ai pas parlé de 4 sauts. Moi, je parle aussi pour une partie de la population peut-être qui aussi a bien envie de faire 20 à 45 minutes. Tiens, si mon mandé les journées à Mialozan, mais vous n'avez pas... Baloua des dagan et péwe au sort constitué. Mais gani honkpa chan chan de, honkpa chao ade, le bénin. Et mené quoi? Là, les siots, là, c'est fini. Voilà, donc, pour dire que si ta douche a été bâtie avec des clés et qu'il y a juste des pierres, on parle vraiment des douches précaires. Et désolé, mais on a de ces réalités-là chez nous. Donc, on ne va pas négliger aussi ce que Elias est en train de dire. On a vraiment de ces réalités-là. Donc, on ne parle pas juste d'avoir la baignoire, d'avoir le shower. Non. Il y a des gens qui ont cette réalité. Si c'est possible, parce qu'on ne subit pas tout le monde, c'est vraiment possible. Et que cela ne va pas permettre, cela ne va pas empêcher les colocataires de vaquer également donc à leur routine quotidienne. Prenez le temps vraiment, vous pensez que tout le monde est sorti de la maison, vous ne serez pas dérangé. Et même si ce ne sont pas les 45 minutes, une fois tous les 3 mois ou une fois, faites ce que vous pouvez. Mais dans le cas contraire, quand même, prenez le temps de vraiment bien vous laver. Nous venons maintenant à la rentrée. C'est très important. Toi, on parle de douche avec Pierre et Claire. Toi, tu parles de spa. Le spa, là, c'est... Non, en fait... C'est dans la tête. C'est dans la tête, tu crois. C'est dans la tête. Oui, nous avons la fiche. Oui, la rentrée à la nouvelle référence pour la toute nouvelle vague. On a déjà dépassé les vacances utiles. Maintenant, c'est la formation normale. Mm-hmm. Vous êtes passionné de ce métier. Et par ce métier, vous avez d'autres passions. Vous avez envie d'apprendre peut-être comment faire le massage relaxant. Bien, vous voulez connaître la profondeur du massage relaxant. Vous êtes à la bonne adresse. Vous voulez maîtriser les tresses. Quel genre de tresses pour quel type de cheveux? Tout ce que vous voulez, nous avons la formation et nous avons des modules vraiment qui diffèrent. Vous n'êtes pas obligé de choisir le tout, mais si vous êtes polyvalente, vous pouvez choisir le tout et nous allons vous donner la formation. Maintenant, dans la formation, nous avons cette possibilité où vous venez au cours de 8 heures avec des pauses, bien sûr. On continue l'après-midi et on finit à 17 heures. Mmh. Donc, c'est comme des cours. Ce n'est plus comme auparavant où vous êtes au boulot de 6 heures. Non. À la référence, ce n'est pas ça. Nous vous donnons même des possibilités de choisir des jours où vous pouvez vaquer à autre chose et venir suivre nos cours aussi. L'essentiel est d'avoir une liste de programmation parce que nous programmons les cours. Mmh. La chose aussi importante, c'est quoi? Beaucoup sont en train de poser des questions par rapport à la formation. Les outils de travail, c'est très important.
Parce que sans les outils, on ne peut pas faire des pratiques. Donc, vous êtes munis d'avoir des outils pour pouvoir... Alors, les outils, on les achète à la nouvelle référence. Oui, vous pouvez les acheter à la nouvelle référence, mais vous pouvez vous en procurer aussi d'autres ailleurs. Le tout dépend de vous. Il y en a qui sont déjà dans le métier, mais qui veulent faire un perfectionnement. Tout est permis. C'est aussi l'occasion pour toutes ces personnes, peut-être, qui avaient appris, mais qui ont oublié... De venir se réactualiser. Effectivement, il y a les stages, il y a la formation, il y a le perfectionnement. Vous avez le MECOP. La dernière fois, j'avais envoyé deux des filles sur un événement où il y avait une réalisation de film où on devrait faire des effets spéciaux où on a rendu le monsieur. Il est jeune, on l'a rendu vieux. Là, nous parlons de maquillage cinématographique. Donc, quand on parle de maquillage, ce n'est pas juste le MECOP que nous maîtrisons. C'est un tout. Mais c'est tout un cours, c'est tout un travail. Il fallait m'appeler, j'allais venir voir. Alors, il y a les hommes qui peuvent aussi s'inscrire. J'ai déjà formé quatre, monsieur Elias. Pour terminer, tout à l'heure sur l'affiche, j'ai vu trois mois. Trois mois. Parce que nous avons remarqué au cours de toutes ces dernières années que la plupart qui viennent pour des formations d'un an ou de six mois, en espace de un mois par exemple, il y en a qui maîtrisent les soins de pied. Mmh. En espace de deux semaines, il y en a qui maîtrisent déjà les cours sur le soin de visage, ainsi de suite. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion pour ces personnes qui ont peut-être d'autres occupations, peut-être étudiantes, vous avez une autre profession, c'est l'occasion pour vous de profiter des formations. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez encore faire plus. La référence est ouverte. Merci beaucoup, ma très chère Sandy. Et les inscriptions finissent demain. Demain. Oui. Merci beaucoup, Sandy. Avant de donner ton numéro de téléphone, je vais te lire ce message. Bonjour. 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 Je ne sais pas à quelle heure rentre le mari. Moi, par exemple, j'ai des sanitaires dans mon bureau et d'autres tenues aussi pour me changer. Si je dois rentrer après 20 heures, je prends toujours ma douche au bureau avant de rentrer. Et il est arrivé que j'ai des problèmes avec madame, car pensant que je suis passée quelque part. Ce que moi, je pense, c'est que la dame discute avec son mari pour voir pourquoi. Et on a bonjour, j'aimerais que le prochain thème, Sandra, nous enseigne comment est-ce qu'on peut se laver plus de 5 minutes. Il n'y a pas de souci à faire de laver là. On va trouver la solution. C'est important. Non, mais 5 minutes. Non, on aura une vidéo qui explique tout. Pourquoi là, non, les palos, mais les Elias. C'est compliqué de passer plus de 5 minutes dans la douche. Quoi. Prends le temps, s'il te plaît, ce soir, prends le temps de te laver autrement et fais un témoignage demain, s'il te plaît. De se laver autrement. Moi, je passe au moins 15 minutes. Avec deux seaux d'eau. Avec deux seaux. Arrêtez. Merci, Sandy. Et il faut rappeler le numéro de téléphone de la nouvelle référence. Un seul numéro. Il suffit de nous contacter sur le 90 27 92 00 pour toutes les informations. Le 90 27 92 00. 90 27 92 00 pour toutes les informations. Ils sont nombreux à réagir par rapport au problème de la dame et de son mari. C'est compliqué. Nous reviendrons dessus avec Sandra sûrement le vendredi ou le mercredi, si tu le permets. Mais pour l'heure, nous allons rejoindre Enzo Aïchal. Et puis ensuite, après, nous allons retrouver Super Entrepreneur. I'm
Le titre est avec Enzo Aichal. Enzo Aichal, ou Enzo Aichal, c'est comme vous voulez le prononcer en tout cas. Et c'est avec ce titre-là que nous accueillons notre ami du super entrepreneur, Monsieur Tito. Bonjour. Mais avant cela, Tito, si tu permets, je voudrais juste lire ce message qui dit coucou, bonjour. Bonjour. Je ne savais pas qu'Elias avait plusieurs cordes à son arc. Il est bon chanteur. Je l'ai découvert dans l'émission du samedi. Et il est babysitter également. Et ah ouais. Non, ça, voilà. il fait du bon boulot. Toutes mes admirations. Mmh. Merci beaucoup, merci. Monsieur Charles Roxin. On fait de gros bisous merci. Également. Ouais. Et donc, si vous avez besoin de blanchisseurs à la villa, exactement. On a aussi. Il a plusieurs cordes à son arc. Toujours Elias. Ouais. Ok. Donc, tu fais combien d'heures, combien de minutes à la douche? Ben, je pense que. Monsieur, il sent pas. Il sent pas douche. Leur entrepreneur. Il n'a pas beaucoup de temps. D'accord, ok. Merci. Merci à toute l'équipe de Nectar. Un plaisir. Ce matin, j'ai voulu prendre du citron, mais malheureusement, je n'avais pas du miel. Si j'étais seulement avec vous, je pourrais avoir cela. Chapeau encore une fois à vous. Alors, vous qui nous suivez depuis chez vous, vos boulots, dans vos sociétés, dans vos marchés, voilà, nous sommes là, c'est super entrepreneur. Ok ? Voilà, vous et nous, c'est une famille. C'est ensemble qu'on va faire super entrepreneur. La télé-réalité du moment. Nous disons merci à la télévision togolaise. Nous avons commencé l'aventure il y a déjà un mois de cela. Et 20 candidats sont rentrés dans l'aventure du super entrepreneur. Mais aujourd'hui, qu'en sera-t-il de ces 20? C'est là où nous sommes arrivés. Le week-end passé,
le samedi, les 20 ont eu à subir l'épreuve, c'est-à-dire le prime de vente. Le prime qui est lié à la vente, disons à la force de vente. Okay. Et à cet effet, il y a eu un jury qui a fait du bon travail et que nous aurons à suivre cette semaine à travers ce prime. Après le prime de samedi, dimanche, bien sûr, vous allez voir que ces 20 candidats ont fait face au jury général. Et ce jury, c'est le jury qui note les candidats dans tous les aspects de la chose. Alors, à cet effet, vous pouvez remarquer que 20 sont rentrés dans la compétition. Heureusement, 16 vont rester dans la compétition. Heureusement, 16 vont rester dans la compétition. Et je vous prie, tous ces candidats ont mérité. Ils ont été à la hauteur. J'ai bien mis l'accent sur le H. Même si ça ne sonne pas bien. Ils ont été à la hauteur. Cela signifie qu'on doit acclamer pour eux, s'il vous plaît. Voilà. Ce sont des candidats qui ont fait preuve d'abnégation, de dynamisme, de persévérance, de courage, de cette volonté, cette soif d'oser entreprendre. Et avec eux, ensemble avec les formateurs, ensemble avec le comité d'organisation, et bien sûr avec les partenaires qui nous soutiennent, on a pu faire un mois d'aventure ensemble. Et aujourd'hui, vous allez voir cette semaine, le vendredi à partir de 22h, le samedi et dimanche à 19h, qu'on aura de l'émotion. Vraiment de l'émotion. Ben, par rapport à cela, moi je vais juste vendre une partie de la mèche. Cette fois-ci, je peux commencer par vendre là. Parce que j'ai dit, heureusement, 16 vont rester. Et une partie de la mèche, vous voyez que j'ai le visage un peu fatigué. Hier, c'était le quartier libre total. Et vraiment, on a fait, vous comprenez, on ne veut pas parler de fête parce qu'on est en temps de Covid. On n'a pas fait la fête, on a fait le quartier libre, on s'est libéré, on a fait le vide. On a fait le vide. Et vous aurez sûrement sur vos écrans le vendredi, le samedi et le dimanche. Vendredi à 22h après l'émission Au cœur de la nation, samedi et dimanche à 19h, vous aurez tous ces candidats que vous allez trouver sous deux aspects. C'est des gens qui sont formidables. Ils sont arrivés à un niveau d'intégration pas possible. C'est là où le comité d'organisation s'est dit, nous allons dire au public d'avance ce qui se fera en partie cette semaine. Parce que d'habitude, on n'a pas, on dévoile pas cela. Mais la cohésion, l'esprit d'équipe, la fraternité s'est installée entre ces néo-entrepreneurs. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, la télé-réalité du super-entrepreneur est une télé-réalité pour tous. C'est un projet patriotique. Vous qui êtes là, je suis sûr que vous avez un penchant pour un candidat après ces 4 semaines. Bien sûr. Mais s'il arrivait que votre candidat n'est plus dans la course, ou qu'il est dans la course, sachez que c'est toujours le Togo qui gagne. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tito Niofam. Donc, vous avez compris, nous entamons maintenant, moi je dis les choses sérieuses, parce qu'il y a eu les formations, il y a eu les jeux, il y a eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir déterminer un peu le mental de tous les candidats. Mais là, vraiment, on parle de candidats. Et donc, quand on commence par parler d'élimination, c'est que pour moi, les choses sérieuses commencent franchement à démarrer. Personne n'a envie de sortir de cette villa-là cette semaine. Malheureusement, 4 vont devoir vous quitter. Et pour pouvoir savoir si ce sont nos coups de cœur ou pas, et ben, un seul principe, c'est de rester accroché devant votre télévision. On parle de la télévision togolaise, bien sûr, le vendredi après l'émission Au cœur de la nation, et le samedi et le dimanche également à partir de 19h. C'est bien cela. Merci infiniment. Et c'est vraiment une idée louable. On ne cesse de le dire à célébrer encore cette télé-réalité-là. On espère en tout cas que même les quelques semaines qu'ils auront eues, on parle de ceux qui vont être éliminés, à faire dans cette villa-là va vraiment les booster et les emmener très, 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 très loin. Nous sommes à la fin pratiquement de l'émission du jour, mais en une minute, on va revenir avec toi, Ilias, pour parler justement, on le sait, de nos éperviers. Les éperviers qui vont donc jouer un match retour demain, mardi, sur les terres congolaises pour affronter donc le Congo-Brazzaville
cette même équipe quand même qu'on a eu à affronter le samedi. Malheureusement, c'était un match nul, un but partout, mais quand même on a senti une équipe qui commençait par se dessiner. Oui. Donc vivement, quand même que demain, qu'on puisse faire un bon résultat, une victoire donc, pour continuer dans les qualificatifs vivement. Exactement. Voilà. Alors, et comme tu l'as dit aussi, j'ai beaucoup aimé à l'entame de cette émission, et M. Tito le dit aussi, c'est le Togo qui gagne, c'est le Togo qui avance. On dit, on ne monte pas son champ de maïs avec la main gauche. Soutenons nos éperviers encore et encore. Quand il faisait bien, on était tous dans les rues, on criait, on sautait, les éperviers, soutenons-les encore et toujours. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir évoluer et que nous allons pouvoir gagner tous ensemble. Donc demain, tu viens en mot d'épervier, hein, n'oublie pas. Malheureusement, c'est un peu ça le sport. Tu te souviens quand Mbappé avait des difficultés avec c'est lui qui a finalement donné hier la Ligue des Nations à la France en battant l'Espagne. Donc c'était dire que c'est le sport, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, mais vivement qu'on soutienne. Exactement. Voilà. Et quand tu transpires trop pour avoir soutenu, n'oublie pas de faire 15 minutes dans la douche pour te laver. Ah ouais. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique fabuleuse, comme toujours. Merci à vous, Monsieur Tito. On se retrouve sûrement dans la semaine encore pour rappeler quand même, c'est vendredi, samedi et dimanche. Merci à toute l'équipe. Et merci à tous nos amis téléspectateurs. Nous saluons Monsieur Horacio Freitas également qui nous suit. Et on vous souhaite de passer une très très belle journée en compagnie de tous les autres programmes de la Télévision Togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.